Édition du Mondial pour Alfa Romeo 2014. Pour nous, c'est avant tout un anniversaire. L'anniversaire des 60 ans de Giulietta. Giulietta est née en 1954, à l'époque avec un modèle qui s'appelait la Giulietta Sprint, qui a été pour Alfa Romeo le début d'une nouvelle ère. Jusque-là, Alfa Romeo avait produit des voitures victorieuses en championnat du monde de Formule 1, la première, dans différentes courses, toujours des voitures qui étaient belles, avaient travaillé avec des carrossiers, mais c'était toujours des petites séries. Et avec cette Alfa Romeo Giulietta Sprint, on est rentré dans l'ère industrielle. Ça a été la première Alfa Romeo qui a été produite avec un volume important. Donc aujourd'hui, on arrive à 60 ans, 54-2014, et on a décidé de célébrer cet anniversaire en relançant une Giulietta Sprint, donc évidemment avec la Giulietta nouvelle, une voiture qui a une caractérisation stylistique et aussi des modifications technologiques. En matière de caractérisation stylistique, si on part de l'extérieur de la voiture, on a fait des évolutions pour la rendre plus sportive. Spoiler, un dame postérieur, une ou deux sorties d'échappement agrandies en fonction des motorisations. Une jante qui a été spécifiquement développée pour le modèle qui reprend le dessin traditionnel des 5 trous Alfa Romeo, mais légèrement incliné pour lui donner un côté un petit peu plus sportif. Et puis lorsqu'on rentre dans la voiture, également à l'intérieur des modifications, tout d'abord un siège sportif tissu Alcantara, une planche de bord carbon look, des panneaux de porte qui sont eux aussi carbon look et un volant qui, comme les sièges, est un volant sportif avec des coutures à contraste. Donc ça, c'est la première nouveauté sur notre stand cette année, la Giulietta Sprint, pour fêter les 60 ans de la Giulietta Sprint. On a sur le stand deux coupés 4C, plus une future nouveauté, la 4C Spider Concept, un concept assez proche de la série. La voiture finale sera présentée au Salon de Genève l'année prochaine. Une voiture qui est absolument fabuleuse, je dirais, qui technologiquement et en matière de propulsion, de dynamisme, garde toutes les composantes de la 4C. Puis elle ajoute ce petit grain d'élégance, on va dire. On a changé les phares, on a mis des phares moins sportifs, moins extrêmes que ceux du coupé, qui sont des phares avec un globe donc sottolente, comme on dit en italien. Et puis on a mis une planche de bord sur le concept, par exemple revêtue de cuir. Et puis il y a une autre pièce qui est vraiment une pièce d'art, qui est l'anneau du pare-brise, qui est tout en carbone. Alors la beauté de la 4C Spider, c'est que la monocoque d'origine est tellement solide qu'on n'a pas eu besoin de renforcer la coque de la voiture. On a juste mis cet anneau en carbone du pare-brise pour renforcer la structure du pare-brise. Et aussi, on a donné à cet anneau carbone donc une fonction de spoiler pour faire qu'il n'y ait pas de remous à l'intérieur de l'habitacle quand la voiture est décapotée. Bienvenue sur le stand Jaguar où nous avons la chance de présenter la toute nouvelle Jaguar XE. Donc Jaguar XE qui est une berline, qui est une extension de la gamme actuelle des berlines Jaguar. Donc là il s'agit pour Jaguar de venir sur un nouveau segment où nous sommes très fiers de venir avec cette XE qui, je crois, a pas mal d'arguments pour faire valoir sa place, notamment l'utilisation de l'aluminium qui va lui conférer un poids qui permettra d'avoir de bonnes performances, notamment au niveau des consommations. On ajoute avec l'introduction d'une pièce mécanique dont nous sommes particulièrement fiers puisqu'il s'agit de la première application des moteurs Jaguar Land Rover, à savoir le moteur Ingenium, qui est un moteur 4 cylindres, soit essence, soit diesel, et qui permettra à la XE de revendiquer notamment des émissions de CO2 inférieures à 100 grammes. C'est une surprise pour ceux qui, comme moi, sont habitués au classicisme de la Jaguar et à ses formes toujours un petit peu arrondies. Là, on se retrouve avec une voiture beaucoup plus agressive. En plus, je pense que là, le bleu roi accentue ce côté agressif. On sent des lignes très épurées. On sent un habitat qui fait quand même très sportif.
c'est une voiture qui me correspond énormément. Moi, je suis très sensible aux intérieurs de voitures. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, elle me plaît beaucoup. On se met au volant, on regarde un peu tout ce qui se passe au volant et dans l'habitacle. Et tout est amené au sport et le fait d'être prêt à bondir, la sportivité et le dynamisme. Ça, ça me fait penser au Mans il y a longtemps. Avec, j'aime beaucoup, hein, derrière le petit rappel de l'époque, le rond blanc et tout, c'est trop de souvenirs, c'est magnifique. Maintenant que Jaguar a mis la XE dans la gamme, je pense que la gamme est vraiment complète. Un joueur élégant, ça peut être un bon joueur et ça peut être un très mauvais joueur. Et là, on est sur un stand où on a tout réuni, élégance et performance, donc... Je suis assez d'accord. Voilà. Surtout quand on voit que juste derrière nous, quand même dans la petite XE, ils mettent le moteur de la F-Type. Ouais, c'est quand même pas mal. Ça, c'est fabuleux. Je l'ai déjà mis sur les réseaux sociaux. Je mets toujours le top du top et la crème de la crème. Et Jaguar en fait partie. Entre la gamme et l'ambiance et l'esprit très jeune de la marque, je trouve ça vraiment sympa. On est sur le stand de Land Rover et on est très heureux en cette journée de présenter la nouvelle Discovery Sport qui a vocation à compléter la gamme Discovery chez Land Rover. Les caractéristiques fondamentales de la famille Discovery étant la polyvalence et l'aspect notamment de modérabilité de l'habitacle, avec cette capacité de disposer soit d'une surface de chargement importante, soit jusqu'à 7 places. Et c'est un des attributs aussi principaux de la famille Discovery, des rangements qui vous permettent vraiment de vivre avec la famille et de faire face à toutes les circonstances. Land Rover est très impliqué dans un certain nombre d'activités que nous aimons à faire partager avec nos clients, avec différents domaines et comme on aime à les appeler les territoires, et notamment pour ce qui concerne le sport, à la fois le rugby, où nous aurons la chance d'avoir nos ambassadeurs sur le stand. Et puis on est aussi beaucoup impliqué dans l'équitation, un des territoires naturels de la marque, puisque la capacité notamment de la famille Discovery à remorquer les vannes pour les chevaux est reconnue sur le marché. Et là aussi nous aurons la chance d'avoir certainement Pénélope Le Prévost, notre ambassadrice, qui sera parmi nous ce soir. Moi qui est un Discovery, je trouve celui-ci est vraiment sympa pour les familles avec des enfants par exemple. Et puis il est toujours aussi mignon. Bon, le look, moi j'adore, de toute façon. C'est vrai que ça a été bien redessiné. Mais on sent maintenant le côté sport, le côté un peu plus dynamique. Donc c'est un véhicule qui est relativement complet. Ouais. C'est une très belle voiture. Ça ressemble à... Ils ont essayé de faire un mix, j'ai l'impression, entre un Evoque un peu petit, un peu compact. Il y a une voiture rabaissée, mais à la fois longue. Avec les 7 places derrière, donc voilà, c'est une vraie familiale. Alors ce que je trouve super, c'est que c'est une chouette voiture pour les femmes, parce qu'on est un peu plus en hauteur. C'est pas non plus trop gros, il est beau, il a un super look. Bah, je le trouve très élégant, voilà, je trouve que les nouvelles lignes qu'ils ont apportées au Discovery, ça ressemble un petit peu à ce qu'ils ont fait avec l'Evoque ou le Range Rover Sport. Voilà, il y a du côté moderne, élancé. C'est vrai qu'il donne envie, là. Voilà, il a de la gueule, on sent de la puissance, mais on sent aussi de la légèreté. Pour moi, c'est une belle réussite. C'est une belle voiture, donc à essayer rapidement si possible. Ce nouveau XC90 est très important dans plusieurs domaines. Le premier, c'est que c'est le renouveau de la marque.
c'est un nouveau design, c'est un nouveau style. Voilà, ce sont des signaux et des messages qui sont envoyés pour la suite et la déclinaison des autres voitures. Ensuite, c'est l'un des premiers produits qui est 100% Volvo. Son moteur, sa plateforme, son design, sa production sont Volvo. C'est le vaisseau amiral, donc derrière ça incarne tout ce qui est autour de la sécurité, active, passive. Trois grands messages forts derrière ce grand chapeau. En 2020, au volant d'une Volvo, il n'y aura plus d'accidentés, plus de morts, que vous soyez au volant, que vous soyez à l'extérieur, qui est une promesse très forte. Nous sommes dans le segment premium. Nous voulons insister en disant que c'est notre territoire de chasse. Le prix, l'ensemble de la gamme est annoncé aujourd'hui. C'est une gamme qui démarre à partir de 49 900 euros pour une très belle voiture. Si on doit la situer par rapport à son segment de concurrence, elle est exactement positionnée par rapport à ses concurrents. Ça veut dire qu'elle est dans le prix du haut de gamme et des SUV de nos concurrents de la marque allemande. La chose qui est très importante, c'est qu'elle intègre beaucoup plus de technologies. Tout ce dont j'ai parlé en termes de sécurité active, passive, toute cette connectivité. Ça, c'est un élément très important. Vous avez quasiment une tablette, une interface qui vous permet d'être relié au reste du monde avec le téléchargement de vos applications de votre téléphone. Et ça, ce sont des technologies du futur déjà intégrées dans cette voiture. C'est du luxe non ostentatoire. Donc, nous sommes clairement dans le segment premium. Nous voulons une voiture cossue, très bien équipée, qui ait une allure et un design qui rassure. Donc nous insistons sur ces valeurs, au-delà de la sécurité, c'est la durabilité, la fiabilité, la bonne valeur de revente, qui sont les vraies valeurs du premium et très intégrées à Volvo. Dans ce monde de crise économique, entre guillemets, vraiment le luxe non ostentatoire est notre marque de fabrique et nous insistons dessus. Alors, le stand, bien sûr, c'est le clou de ce mondial. Il est construit d'une manière très spéciale. Pour choquer un petit peu, mais pour que nous parlions aussi exclusivement de ce XC90 qui est le renouveau de la marque. Donc il y a sur notre offre une seule voiture tout au long de la quinzaine, ce qui ne s'est jamais vu et ce que nos concurrents ne font pas, dans un monde très suédois, une ambiance très suédoise, des matériaux suédois avec de l'espace, on y respire bien, il y a vraiment une émotion que nous voulons véhiculer parce que cette signature fabriqué en Suède, made in Sweden, sur ce vaisseau amiral est très important et nous voulons que 100% de l'esprit soit concentré en ce moment sur ce renouveau de la marque, sur ce XC90. Donc tous les matériaux, toute l'ambiance, l'espace, ça signifie ça, la Suède et Volvo.